Au long des voyages et des rencontres, le religieux apparaît toujours, qu'il soit sous forme de monument pour le touriste, de cérémonie pour le hasard ou par la volonté qu'on a d'y assister. Et là, moi, ce que j'ai rencontré beaucoup dans l'océan Indien, et d'abord à la Martinique, c'est effectivement du religieux. Je ne vais pas trop m'attarder sur Haïti et le voodoo, je pourrais en parler longuement, mais c'est un sujet tellement dit et traité que mes souvenirs du vaudou n'apporteront pas grand-chose. Lisez les livres de Métro et le vaudou haïtien et les innombrables articles, et puis surtout les travaux de Lainec Urbon qui sont incontournables dans ce domaine. Par contre, j'ai rencontré aussi un hindouisme très particulier, qui commence à être connu, mais qu'il a été peu au départ. C'est un hindouisme en dehors de l'Inde. Vous savez que l'Inde a cela d'être particulier, la mère Inde, Mother India, celle qui est véritablement le cœur du monde et le lieu de chaque Indien. Que quitter l'Inde, franchir la mer, c'est véritablement un interdit est quelque chose qui vous défigure. Or, l'hindouisme a germé tardivement hors de l'Inde. Pas dans l'Antiquité. Il s'était transféré sous une forme différente par son avatar bouddhiste à travers une bonne partie de l'Asie. Il avait sous diverses formes été dans les pays du sud-est asiatique, le Cambodge, etc., mais dans une espèce de continuité territoriale. Au-delà des mers, non. Et là, les mers ont été franchies par des Indiens, et ces Indiens ont transporté avec eux, plutôt en eux, des morceaux de cette création absolument considérable, sous ses différents aspects, qu'est l'hindouisme. Ils en ont emporté des morceaux, et ils les ont fait germer dans les terres où ils sont allés. Ils ont planté la canne à sucre et l'hindouisme sur les terres antillaises et sur les terres de l'océan Indien. Et l'hindouisme y a germé comme on germait les cannes. Et il a proliféré sous forme de temples, de prières, de cultes, de sacrifices. Il a maintenu aussi un langage, le langage de tous les jours, le tamoul du sud de l'Inde, qui est devenu une langue sacrée, comme le latin que parlaient tous les jours les Romains est devenu dans nos églises une langue sacrée. Ce passage des langues au sacré, lorsqu'elles s'exilent, est un phénomène extrêmement intéressant, très émouvant et très général. Et alors, j'ai rencontré cet hindouisme, mais j'y avais été sensibilisé par une vision romantique et quelque peu artificielle, car représentée par des gens qui représentent ils sont une des marges de l'hindouisme, c'est-à-dire ces sages qui écrivaient des préceptes, Aurobindo, la mère, les gens de Pondichéry, Ramakrishna, les sages hindous, tous ces ouvrages qui nous faisaient vivre en quelque sorte une Inde messagère d'une spiritualité dont nous avions l'impression que chez nous, elle s'était évanouie, qu'elle s'était matérialisée. Et quand on m'a dit qu'il y avait des Indiens à la Martinique, c'est un peu cela que j'attendais, ce n'est pas cela que j'ai rencontré, du moins dans un premier temps, dans toutes les apparences. Le reste, je l'ai découvert lentement, partiellement, tout au fond et dans le non-dit et même le non-perçu par ceux qui ne disaient pas, mais qui le vivaient. Alors, c'est cet hindouisme-là qui m'intéressait, auquel j'ai consacré beaucoup de temps,
qui m'a accueilli, je dois dire, au départ avec méfiance et ensuite les bras ouverts, que je me suis permis d'appeler l'hindouisme créole. Le terme a réussi. Il a été critiqué par certains quand j'ai parlé d'islam créole, qui m'ont dit non, il y a une unité de l'islam, il n'y a pas des islams créoles. Alors que les cultes pratiqués au Maroc, au Sénégal, ou à l'île Maurice, ont des diversités, des accents mis, les uns sur le prophète, les autres sur les prophètes, les uns sur les certains rituels, d'autres sur d'autres rituels, qui mériteraient aussi d'être pris comme ça, mais qui seraient beaucoup moins acceptés. L'hindouisme porte en lui une diversité tolérée, car agglomérante, dans un tout est dans tout, et inversement, si j'ose dire. Et pour moi, le meilleur exemple, je vais compter tout de suite, il me servira à donner la trame de ce qui se passe. Il existe, dans le corpus énorme des divinités hindoues, une femme, Parvati, qu'à l'Inde, à la différence des religions dites de l'écriture, a toujours des couples au niveau de la divinité, jamais des hommes seuls. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Chaque dieu est accompagné de sa déesse. Shiva est avec Parvati. Et ce statut de la femme a fait que jamais personne n'a accepté, n'a été étonné que Mme Gandhi devienne Premier ministre. Alors qu'en France, n'en parlons pas, et dans les pays chrétiens en général, on va dire qu'Israël a échappé à cette règle. Alors, donc, je rencontrais cet hindouisme, je vous dis sous quelle forme. Un jour, quelqu'un me dit, il y a plusieurs déesses qui s'occupent des enfants, qui s'occupent, il me dit, je lui dis, il y a Parvati, mais il y a aussi Kateri, et il y a aussi... Il y en a aussi d'autres. Comment ça se passe? Il y a Petya et Petyama. Alors il m'explique, il me dit, un jour Parvati est partie en voyage. Elle était chez les gens bien, on l'appelait Parvati, on lui faisait des hommages, on lui donnait des choses. Et puis, elle arrive chez des gens de la campagne qui la connaissaient mal et qui se sont un peu moqués d'elle. Elle dit, pour vous, je ne serai pas Parvati, je serai Petyama. Petyama, qui était la divinité de ces groupes à ces époques. Je serai Petyama et vous me ferez des cultes différents. Vous m'offrirez ceci, ceci, cela. Puis elle continue, elle va dans la forêt. Elle rencontre les sauvages. Et ils se moquent d'elle. Qu'est-ce que cette dame-là avec ce sari, on va lui arracher son sari et tout. Elle les a maudits. Elle a dit, pour vous, je serai Kateri. Et je viendrai chaque année prendre et tuer vos enfants, sauf si vous me faites un sacrifice. Il dit, et depuis, tout ça a continué. C'est bien que eux qui descendent de ces derniers-là doivent chaque année faire un sacrifice pour leurs enfants, pour Kateri, qu'on appelle le manger poule noire. Ils doivent offrir une poule noire à cette déesse et la manger en famille. S'ils le font en famille, l'enfant est protégé. S'ils ne sont pas là, si la mère et le frère de la mère ne sont pas là, si le père n'est pas là, chacun ayant sa part dans le sacrifice, dans le découpage de la poule, dans l'offrande de la poule, les enfants ne sont pas protégés. Mais si on vous invite à manger poule noire, à un sacrifice à Kateri et que vous avez des enfants, ça veut dire que vous la reconnaissez comme déesse et vous aussi désormais, vous devez aussi faire Kateri et manger poule noire. C'est bien qu'il a fallu très longtemps pour que je puisse y assister. Moi, j'avais une fillette. Elle était dans la cour de mon jardin, on les voyait très bien. Ma femme était indienne. Et un jour, quelqu'un, de façon très inquisitive, sans que je comprenne rien, tout ça à l'époque, me dit, est-ce que vous mangez poule noire? Moi, je dis, ben oui, je croyais que je mangeais les poules noires. J'ai dit oui. Ah ben, m'y invite à où? Et alors, je reçois un mot. Monsieur Attel, etc., sont heureux de votre voyage. Ce jour-là, nous faisons manger poule noire. Et c'est là que j'ai compris que j'engageais ma fille et ma femme à faire chaque année un sacrifice de poule noire pour protéger ma fille des maladies et tout. Cet hindouisme-là, qu'est-ce qu'il était?
Il était comme un accordéon qui se déplie. La note de gauche, c'était Parvati. Et les autres notes étaient chacune différente. C'était le même accordéon. Et chacune s'adressait à une des castes de la société, où la déesse reprenait un visage selon cette caste. Donc, il y avait la diversité et il y avait l'unité. Il y avait la diversité sans la contradiction, mais l'adversité dans la hiérarchie. Cette hiérarchie que Louis Dumont, dans son livre Homo Hierarchicus, a si bien montré, et de dire que, à l'époque, je me suis précipité sur le livre de Louis Dumont qui s'appelle Une sous-caste de l'Inde, les Brahmas et les Kalars, qui a été pour moi, qui est une grande monographie. Et je veux dire qu'un jour, dînant chez lui avec Sidney Mintz, je lui ai rappelé ça, et je me suis aperçu en discutant avec lui qu'il avait fait beaucoup par des informateurs et qu'il en avait très peu vu. Et je le comprends parce que entrer sur le terrain à La Réunion, c'est relativement facile. Entrer sur le terrain des villages d'intouchables dans l'Inde, il y en a qui l'ont fait, mais c'est beaucoup plus difficile. Mais il avait fait quand même un travail assez remarquable. Et donc, ça, c'était mon entrée. Après, je me suis dit, ça mérite d'aller plus à fond. J'ai rencontré à ce moment-là, non seulement du religieux, mais j'ai vu des gens qui disaient, je dis ce petit mot en créole réunionnais qui se comprend facilement, bon Dieu créole, y accorde un peu, bon Dieu indien, y accorde bien, et bien plus fort. Autrement dit, si je fais une prière à Jésus, bon Dieu créole, bon, je peux lui demander quelque chose, il me donnera, il ne me donnera pas, mais si je demande au Dieu indien, mais il est exigeant. Il ne va pas vous demander n'importe quoi en échange. Il va vous demander un gros sacrifice. Soit des offrandes importantes, offrir un cabri, soit d'aller marcher dans le feu, mais quelque chose. Mais par contre, en échange de ça, ça va marcher. Et là, on voyait l'articulation, pas l'articulation, la non-désintégration entre du religieux et du médical. Pas l'articulation, ce n'est pas du médical. Ce n'est pas que du religieux, c'est un acte de recherche et de demande qui se fait par un moyen, et le moyen est divin. Pourquoi? Car le divin est à l'origine, il est donc de la cause, il est aussi donc à l'origine des solutions. Et il ne peut pas en être dissocié. D'emblée, je me suis trouvé à voir, et ça on ne verra plus si je parle d'anthropologie médicale, que dissocier le divin et le religieux du médical est un artifice d'analyse, mais ne correspond pas à la réalité du terrain. Du moins à ce niveau-là du religieux et du médical, j'entends bien. Mandelbaum, qui est un anthropologue américain, a distingué dans la prière deux niveaux. Le niveau qu'il appelle le pragmatique et le niveau qu'il appelle le transcendantal. Et là, ça s'applique parfaitement bien. Nous sommes dans le niveau pragmatique du religieux, où le religieux est un outil, où en quelque sorte, comme le disait Murdoch, la religion est une médecine appliquée, où la médecine est une religion appliquée. Et il y a aussi le niveau du transcendantal qui, lui, essaye d'évacuer les implications et les conséquences terrestres pour donner accès à la perception, à la connaissance, à l'illusion, selon ce qu'on pense, on peut prendre ces mots, à un monde qui n'est pas le nôtre et qui donne au nôtre un sens dans la mesure où, en le dépassant, il lui donne aussi une direction pour aller. Et je crois que c'est une distinction que nous devons avoir présente à l'esprit lorsque nous travaillons sur le religieux, car dans le travail sur le religieux, vous avez perpétuellement les deux qui sont plus ou moins emmêlés. On va à Lourdes pour prier la Vierge, mais on va à Lourdes pour se sentir en bonne santé. Mais si on n'est pas malade, on va plutôt d'un côté, si on est malade, on va plutôt de l'autre. Mais on a souvent l'ambiguïté entre les deux. Et il en va pareil dans l'islam. Si vous buvez de l'eau zamzam, elle contient tous les miracles. Si vous êtes malade et que vous
et qu'on va réciter le Coran, l'écrire sur un papier, faire tremper ce papier dans de l'eau et vous faire boire cette eau pour vous faire avaler la guérison, est-ce de la médecine, est-ce de la religion? Nous sommes là au lieu commun d'émergence de l'un et l'autre comme solution à la maladie et au malheur. Alors, l'un l'explique, l'autre essaye de le curer. Alors, je voyais tout ça. Donc, j'étais amené à me dire, il faut que je fasse le tour de tout. Parce que si je ne regarde qu'une partie, bon, je me ferai des idées, elles seront fausses. Alors, j'ai essayé de travailler l'hindouisme dans ces îles en entrant par toutes les portes qui s'ouvraient à moi. Alors, d'abord, j'ai suivi les avis de mes voisins, puisque j'habitais à proximité d'Indiens. J'allais voir Daniel Sangaini et son meeting politique. Mais dans ce meeting politique, il y avait toujours l'invocation de Kali, de Shiva. Et puis, on concluait quand même par des marches dans le feu qu'il conduisait et auxquelles j'ai pu assister longuement, filmer, etc., enregistrer, avoir beaucoup de détails. Et puis en même temps, j'ai rencontré un homme qui, quand on dit j'ai connu Manicon, tout le monde dit oh là là, vous avez eu de cette chance, qui est resté dans l'image réunionnaise comme le dernier grand prêtre magicien de la Réunion. C'est un homme grand, habillé toujours en blanc, avec cette énorme moustache blanche qui caractérisait les vieux Indiens, et qui, c'est un endroit, parlant d'un air, etc., d'un air protecteur, vous contait des histoires anciennes, que l'on connaissait des quantités, avait chez lui un autel dans sa chambre dans lequel il faisait ses prières pour lui ou pour des gens qui venaient le consulter. Car il consultait pour des malades, il consultait aussi, disait-il, uniquement pour le bien, parce qu'on pouvait aussi demander le mal à certains, et qui avait en même temps la réputation du sage, qui conduisait des cérémonies, et qui participait avec un groupe de vieux aussi, comme spectateur, dans quantité de cérémonies à travers toute l'île. Je suis devenu suffisamment proche de lui pour qu'il m'invite à dormir avec lui dans sa chambre. On parlait le soir tard. Ensuite, j'allais avec lui, parce que j'avais l'avantage d'avoir une voiture, et donc j'étais en même temps le chauffeur. Je le conduisais à des cérémonies. Et dans ces cérémonies, notamment dans le grand temple de Saint-Pierre, dont je vais parler, je devais participer, célébrer avec eux, dans le cercle des prêtres, autour du feu dans lequel nous mettions le bois, en chantant Om Namah Shivayam, Om Namah Shivayam, etc. Et à ce moment-là, j'étais à un autre niveau d'un hindouisme qui était véritablement une prière de gens qui vivaient une vie non pas ascétique, mais une vie religieuse intense. Et puis je fréquentais aussi donc les gens qui croyaient à l'hindouisme, mais qui étaient des gens engagés dans la société. Notamment, je me souviens d'un homme assez remarquable qui s'appelait Vadivel Vayaburi, qui avait fait fortune dans le saucisson, tout en étant un hindou et militant, et qui avait fondé une grande usine de charcuterie, et qui a distrait un morceau du terrain de son usine pour édifier un temple hindou. Ce qui, évidemment, a étonné certains, mais il a voulu faire un temple digne de l'Inde. Donc, il a pris un architecte et ils ont construit un grand temple végétarien consacré à Narasimha Perumal, qui est un des avatars de Vishnu, donc du monde végétarien, etc., l'opposé du monde shivaïste, qui est quand même le monde privilégié de Jetamul. Et là, dans ce temple, j'étais à son inauguration, à côté de l'évêque, du maire, du représentant du préfet, de toutes les autorités, l'inauguration de ce grand et très beau temple. Et à côté, il y avait une maison pour le brahmane qu'il avait fait venir de Chidambaram, Chidambaram qui était un des hauts lieux du brahmanisme sud-indien, où il avait fait venir un prêtre, qui plus tard m'a dit en confidence, vous savez, à côté des saucissons, mais il me paye tellement bien que ça vaut la peine. Mais tout cela me montrait cet autre visage d'un hindouisme qui avait tendance à monter, si j'ose dire,
vers l'hindouisme des plus nobles. Parce que cet homme charmant descendait lui aussi de ces petits planteurs pauvres de castes inférieures qui étaient venus comme engagés sur les plantations. Seulement, il avait réussi, comme avaient réussi pas mal d'Indiens qui avaient su travailler, comme ils disaient entre eux, « Nous, quand on gagne de l'argent, moitié pour manger, moitié pour travailler avec. » Les créoles, ils gagnent de l'argent, mangent tout et disent « Demain, bon Dieu, s'il veut. » Alors, ça fait partie de ces préjugés qui, à certains égards, peuvent choquer, mais à qui d'autres sont souvent d'une sociologie populaire qui, statistiquement, n'est pas tout à fait fausse et qu'un certain snobisme refuse, mais qui sont quand même souvent des indicateurs d'une certaine vérité. Car on vous dit la même chose à Trinidad, alors que ces gens ne se sont jamais vus. Et donc, j'ai pu explorer ces différents niveaux de l'hindouisme. Et il est apparu une chose, c'est que je pouvais suivre des générations, les plus anciens, comme ce Francis Poongavanon, des plus jeunes, éventuellement comme Daniel Saint-Guéni, qui était le plus jeune à l'époque des prêtres réunionnais ayant un temple, des gens d'âge moyen, comme Mayaburi, par contre, se distinguait cela, suivaient les cultes les plus traditionnels. Mais parmi les plus jeunes, beaucoup avaient fait des études et étaient allés en Inde. Je me souviens qu'en 1970, j'ai eu l'occasion d'aller en Inde pendant mon séjour là-bas, pour des circonstances très particulières. Un Indien riche de Lille, voyant ma femme, a dit « Je veux en épouser une comme ça, aussi jolie, aussi blanche, aussi belle. Est-ce qu'elle peut m'emmener voir ses amis à la Réunion ?» À l'Inde. Et il a mis une petite annonce comme ça se fait en Inde, où il mettait son salaire, qui dépassait de 10 fois celui d'un ministre indien, parce que ça n'avait rien à voir. Il est arrivé là-bas, elle lui a présenté plusieurs de ses amis qui tout ont dit « On n'en veut pas, il est trop noir. » Parce que, effectivement, des gens des brahmanes n'auraient jamais épousé, même pour l'argent, un homme d'origine inconnue si noir. S'il avait été blanc, moi j'ai eu moins de difficultés. Alors, à partir de cela, j'ai pu construire un dynamisme de l'hindouisme créole et de son cheminement vers une espèce d'effort d'apurement par les élites et en même temps de culte populaire plus sacrificiel par le peuple, qui se maintient jusqu'à nos jours, mais avec une augmentation régulière des parties les plus modernes. Et dans mes photos, on peut voir le temple de Saint-Gilles rénové par des artisans tamouls, pendant que les temples où on voit des sacrifices, etc., j'ai plusieurs images, montrent le culte traditionnel.